Nous étudions Makot Perek Gimel Mishnah Hey. Akoreach korcha berosho, vamakif peat rosho, vamashrit peat zekano, vasoret srita achat al amet chayav. Sarat srita achat al chamisha metim, o chamesh sritot al met echad, chayav al kol achat veachat. Al arosh, shetaim, achat mikan veachat mikan. Val azakan, shetaim mikan, ushtaim mikan veachat melemata. Rabbi Eliezer omer, im netalo kullo keachat, eno chayav el achat. ואינו חייב עד שיתלנו בתער רבי אליעזר אומר אפילו לקטור במלקט או ברהיטני חייב. ופרלי דונות משנה דו קאט אינטרדי תחז אמפורטן כיסון אובל תרדיר דג'ה אובל דקורא סן אינטרד בפסוקים הקורח קורחה בראשו סלוי כי סו ליטרלמן כי סו רז לטט סלוי כי ספה כי סרש לשווה. En fait, on va dire quelqu'un qui s'arrache les cheveux devant un mort, comme on va l'expliquer. Vers Makif Peatrocho, celui qui s'arrondit les coins, les bords de sa tête, soit celui qui se rase les péotes. Vers Mashrit Peat Zekano, et celui littéralement qui se détériore la shrit, qui abîme, soit celui qui va se raser les coins de sa barbe. Vers Soret Srita Achat Alamet. Et celui qui se taillade, qui va se faire une blessure sur son corps, donc, à la mettre devant un mort, chayav, il est passible de malkout. Il y a quatre interdits qui sont éparpillés dans trois endroits dans la Torah. Une fois dans Parashat Kedoshim, dans Parashat Emor, et puis ensuite dans Parashat Re'eh dans le livre de Dvarim. On va juste s'intéresser avec les psukim de Parashat Kedoshim. Il y a marqué là-bas, dans Perek Yudtet, L'otakifu peat roshechem, l'otashrit et peat zekanecha. Vous ne vous arrondirez pas les peat roshechem, les coins de votre tête. Vous ne vous détériorerez pas les coins de Zekanecha. Pea, c'est un coin. D'accord ? Soit, d'abord, un interdit de se raser à blanc les péotes. Pourquoi ça s'appelle les coins de la tête ? Parce qu'en réalité, le crâne, il est composé de deux parties. Il y a, la tête est composée de deux parties, il y a le crâne. Et il y a toute la partie mâchoire. À l'endroit où ces deux parties se rejoignent, c'est l'endroit des tempes, il y a ici les coins de la tête. Et il y a un interdit de s'arracher les cheveux de cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y en a qui s'installent les péotes, puisque la Torah nous a dit « Vous ne vous raserez pas à blanc », donc on en fait plus. Donc on dit « On va laisser tous les cheveux qui vont pousser à cet endroit-là ». Il n'y a pas d'obligation de laisser des péotes, mais il faut laisser de quoi attraper. C'est un grand problème pour ceux qui sont les coupes à la barthèse, comme on va expliquer dans quelques secondes. D'accord ? Donc ça, c'est s'arrondir. Entre parenthèses, pourquoi ça s'appelle s'arrondir ? Qu'est-ce qu'il y a d'arrondi si on se rase ? Pourquoi ça s'appelle s'arrondir ? Il y a plusieurs explications. En tout cas, une explication assez sympathique, c'est qu'étant donné que sur le front, la peau est lisse, et derrière les oreilles, la peau est lisse, alors faire le pont entre le haut des oreilles et le front, ça s'appelle qu'on arrondirait de manière à ce qu'on va voir, comme si on va voir le crâne avec les cheveux, et la partie inférieure à blanche. Et donc depuis, avec ce coin, c'est en ça que ça s'appelle s'arrondir, étant donné que ça va ensuite paraître comme si c'était tout rond. D'accord ? C'est une explication qui est proposée dans le Rishonim. Concrètement, non, pas concrètement. D'abord, on continue à découvrir les psukim. Vous ne vous détériorerez pas les coins de votre barbe. Alors il y a 5 points dans la barbe qui sont considérés comme les coins de la barbe. Il y a ici un premier coin, 1, 2. Et la définition des trois autres coins, c'est complexe, on ne sait pas où ils sont précisément, il y a plusieurs discussions dans le Rishonim. On parle là de celui qui va passer le rasoir à blanc sur le rasoir, la lame du rasoir sur la peau. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que la Torah l'a dit, l'otashrit, se détériorer. Soit quand on passe le rasoir, à la différence de celui qui se coupera avec un ciseau,
ou avec un ciseau perfectionné qui peut s'appeler une tondeuse ou qui peut s'appeler un rasoir kasher. Il y a des tampons kasher sur les rasoirs pour savoir lequel est bon. Dans la mesure où dans le rasoir il y a une grille qui va faire que le poil va sortir, va dépasser à l'intérieur des trous de la grille et va passer une lame pour le couper. Là, ça s'appelle un ciseau, même si on appelle ça un rasoir. À la différence de celui qui va passer directement la lame sur la peau, il va en cela arracher le poil depuis sa source. C'est ce qu'on appelle ashrata, l'ashrit. Il va détériorer, ça veut dire il va s'arracher complètement. Il va, avec le couteau, il va se couper la barbe. Ça, c'est le issur de l'otashrit et peat zekanecha. 5 points qui sont interdits dans la barbe, étant donné qu'on ne sait pas où ils sont. Alors, on est mahmir, comme ça rapporté dans le Shulchan Aruch, on est mahmir de ne jamais passer la lame du rasoir. Les bons juifs, s'ils se rasent, ils se rasent soit avec la crème dépilatoire, ça c'est dans les yeshivot, c'est pas tellement mekoubal, mais le stapler il appelait ça, c'était Samchaim. C'était un jeu de mots, c'est l'élixir de vie, celui qui se rase avec ça. Il met de la crème dépilatoire, comme ça au moins il est tout lisse, mais il ne s'est pas passé le rasoir, il n'y a en cela aucun interdit, si ce n'est le fait que... Il y a un bon minac d'avoir une barbe pour les juifs, mais ça, il n'y a aucune obligation dans la halakha du tout, quoi. D'accord ? Ça, c'était pour l'interdit, pas le tachrit. On va y revenir quand on va découvrir la Mishnah ensuite. Veseret la nefesh. Ensuite, la Torah continue et nous dit Veseret la nefesh est une blessure pour un mort. Lotitnu bivsachem. Vous ne mettrez pas sur votre peau, soit quelqu'un qui est un mort, lo alenu, il a de la peine. Et je sais pas comment ça se dit en français, il se taillade, il se fait de l'eau de l'heure comme ça, il s'arrache, il se fait une blessure comme ça, en l'honneur du mort, il y a un interdit méforage sur ça. Si déjà on a qu'à continuer dans le passage, vous ne vous mettrez pas un tatouage sur la peau, mais là n'est pas notre propos, la Mishnah ne va pas l'évoquer. Il y a ensuite, ça c'était dans Parashat Kedoshim, dans Parashat Emor, on continue avec... On répète à nouveau, « Lo ikrechu korcha berosham ufat skanam lo igalechu, uviv saram lo isretu saratet. » Dans le même passage, cette fois-ci, la Torah s'adresse au Kohanim, mais elle répète les mêmes interdits, avec un petit ajout qui concerne en fait tout le peuple d'Israël, ça prépare juste sa position, et c'est répété ensuite dans « Parashat Re'e ». Et à là-bas, il y a marqué « Lo ikrechu korcha berosham », ils ne se feront pas ils ne se raseront pas les cheveux, de nouveau on parle pour le mort, « Upeat zekanam lo igalechu » Ouais, et c'est-à-dire, ici, dans le passouk précédent, il n'y avait pas marqué l'interdit de se raser les cheveux en l'honneur du mort. C'était ce qui nous manquait. Et là, c'est répété dans Parashat Emor, de ne pas s'arracher les cheveux, comme ça va être redit ensuite dans Parashat Re'e, Perek Yud Dalet, Passouk Aleph, Bani Matem Lachem Alokechem, Lotit Godedou, Velotassimu Korcham Enenechem, Lamet. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. L'otit godedou, venez-vous, tailladerez pas la peau, velotassimu korcha ben enechem, vous ne vous raserez pas entre les yeux cette fois-ci, les mettre pour un mort. On explique maintenant un peu mieux. On a fini avec les psukim de les découvrir. Ça fait 3 endroits dans la Torah. Et, bon, on range après. Et on fait ça à l'intérieur des psukim. Donc on a découvert les 4 interdits. 4 précisions donc. Premièrement, akorer korcha berosho, celui qui se rase les cheveux, ça c'est précisé, c'est que en l'honneur d'un mort. Il y a quelqu'un qui est mort, il a de la peine, il s'arrache les cheveux. À exclure, si par exemple, la Gemara évoque le cas de celui qui a eu son bateau qui coule, il dit « Aïe aïe aïe, comment je vais faire ?» Il s'arrache les cheveux, il se fait comme ça, 2 bandes blanches, il y a en cela pas d'interdit. Est-ce qu'il y a un interdit des rabbanan ? Je ne sais plus. Il rapporte ici le Tiferet Israël. Il y a une machlokes, c'est un interdit de se faire pour une autre peine. Il y a quand même, la Gemara raconte que Rabbi Akiva s'est arraché les cheveux lorsque Rabbi Eliezer est mort, mais pas pour l'honneur de Rabbi Eliezer en tant qu'homme, mais que pour l'honneur de la Torah qui avait été perdue. Et sur ça, c'est rapporté ici dans le Tiferet Israël. Si on le fait pour la peine, pour la Torah, on va Khalila, Chazou Shalom. Un Sefer Torah qui est Bebizayon, d'accord, ou même un Talmid Chacham qui a été mévousé, qui a été humilié, et que pour l'honneur de la Torah en s'arrache, là c'est permis complètement, d'accord. Ça c'était pour la Korcha. On a dit donc que pour le mort, et pas pour une autre peine, Marloquette. Vahamakif Patrosho, celui qui s'arrondit les coins de la tête. Alors s'arrondir les coins de la tête, c'est important, il faut le savoir, il y a une
Machloket. Je continue plutôt sur le Mashrit Pazkano. Et de là, on va remonter ensuite sur les coins de la terre, ceux de la tête. Sans dire les coins de la barbe. Celui qui se détériorait, se rasait, en fait, se rasa blanc, comme on a dit, passait le rasoir, la lame du rasoir sur la peau. Il y a 5 points dans la barbe qui sont interdits, comme la Mishnah va nous le dire, à la Zakan Shtaimikan, Shtaimikan, Varat Menemata. Plus loin, la Mishnah va nous dire 2 ici, et 1 au milieu. Ça pourrait correspondre à 2 ici, et 2 ici, et 1 au milieu, éventuellement le menton. Ça pourrait être encore 2 ici, avec ici plutôt un autre, l'interdit qui serait plus haut. Il y a en cela plein de discussions entre les Rishonim, quels sont les 5 points interdits. L'interdit, littéralement, il ne peut passer. Si on pouvait connaître ces 5 endroits, alors on laisserait les 5 points, ouais, on met une petite gommette dessus, et on se trace tout le reste à la barbe, et puis ces 5 endroits, on les coupe au ciseau, et puis on n'aura aucun interdit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quels sont ces 5 points. De ce fait, tout le Ham Israël ne passe pas du tout le rasoir à blanc, même sur le cou, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Même s'il est certain que dans la partie inférieure, ici, ouais, sous le menton, où il n'y a pas du tout d'os, il n'y a en cela aucun interdit selon la Torah. Minag Israël, l'usage, la coutume des Bnei Israël, c'est qu'on ne fait pas du tout passer de rasoir à blanc. Ouais, la lame de rasoir, on ne la fait pas du tout passer sur la peau de tout le visage. En aucun cas. D'accord. Ça, c'était pour le Mashrit Pazkano. Par contre, comme on a dit, on a le droit de le faire avec la crème, on a le droit de le faire avec un ciseau, et les rasoirs cachers, le principe du rasoir cacher, même à double lame, il y a des discussions sur la double lame, étant donné que la première lame s'occupe de tirer le poil, et la deuxième de le raser le plus court, donc de ce fait, peut-être qu'on a fait rentrer la racine à l'intérieur de la grille. Il y a plein de discussions, c'est vraiment des sujets très complexes. Dans le monde moderne, on se rase, tout le monde se rase, quoi. Donc il faut savoir comment le faire de manière permise. En Israël, on vend des rasoirs avec des tampons cachers, tout simplement. Il y a des bâtés d'énigmes qui sont là et qui s'occupent d'analyser. En général, on rapportait comme ça à l'époque, on vérifiait comme ça sur le rasoir ce qu'il était permis ou pas permis. On gonflait un ballon et on faisait passer le rasoir dessus. Si le rasoir, on faisait en appuyant dessus. Si en appuyant sur le ballon explose, ça signifie que la lame, elle s'est plantée dans le ballon, donc c'est interdit. D'ailleurs, ce procédé a été ensuite discuté. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Notre but, c'est d'étudier la Mishnah, mais si déjà on peut en parler concrètement, pourquoi pas. Maintenant, on remonte maintenant sur le Makif Peatrocho, celui qui s'arrondit les coins de la tête. Il y a en cela une discussion. Il y a un avis qui nous dit que s'arrondir les coins de la tête, ça implique que c'est comme pour la barbe, tu m'interdis que de passer la lame. Il y en a qui disent que c'est l'interdit dans les coins de la tête, c'est de passer la lame. Mais sur ça, il y a une discussion. Ça, c'est l'avis du Rambam, qui pense que l'interdit de s'arrondir le coin de la tête, c'est qu'en se passant avec la lame. Soit, si je prends ma tondeuse et je me fais à blanc le coin de la tête, selon la Rambam, je n'aurai pas d'interdit de la Torah. Mais, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chenilles qui sont folkées, le Roche notamment, qui pense que même se passer les ciseaux, ou le rasoir, ou la tondeuse dans les coins de la tête, ou même la crème dépilatoire, si je ne me trompe pas, ça revient au même. Ouais, aucune raison. C'est le fait de se faire blanc les coins de la tête. Il y a en cela un interdit. Ça, c'est pas lié à l'interdit du mort ou pas du mort. Ça, c'est l'interdit pour tous les juifs. D'accord? On n'y est pas encore à l'interdit de se raser en l'honneur du mort. Ça, les coins de la tête et les coins de la barbe, ça concerne tous les juifs. On ne passe pas la lame sur les coins de la barbe. Et on ne se rase pas à blanc les coins de la tête, selon le Roche, donc. Et ça rapporte les deux avis et on dit de les craindre tous les deux. On n'a pas le droit de se passer le rasoir à blanc ici. C'est compliqué pour celui qui se coupe les cheveux. Le coiffeur a tendance ensuite à bien dessiner la forme de la tempe. Donc ils vont se laisser des fois des pattes, mais en fait, ils vont s'enlever les petits poils qui vont dépasser sur les côtés de la tempe. Ça fait pas propre, ils vont se laisser les pattes. Mais les pattes, elle est pas tellement clean parce qu'il a un poil qui lui sort ici. Et bien il y a un problème de couper ces cheveux-là à cause de l'interdit de l'eau. Tacherit et peat, et l'eau qu'il faut peat à roche. C'est tant qu'on est encore au niveau de la tête. Si on est descendu au niveau de la tempe et qu'on se laisse des pattes et qu'on s'arrondit ici, alors il n'y a aucun problème. Étant donné que cette fois-ci, on a quitté la tête. Mais tant qu'on est au niveau de la tempe, ouais. Alors, il y a un interdit. Où se trouve précisément la tempe interdite? Machloket, d'après le Rambam, c'est 40 cheveux, les 40 cheveux les plus bas, uniquement. Et comme ça, c'est rapporté dans la plupart des Rishonim, en fait, c'est ce qui rejoint le point le plus haut ici, lorsque derrière les oreilles, on a la peau donc lisse, le point le plus haut jusqu'ici, le coin 1, on relie ça, on fait un trait, on trace un trait, et toute cette partie-là, ça s'appelle la Péata Roche d'après certains Rishonim, l'interdit, il sera d'arracher même 2 cheveux à cet endroit-là. D'accord? 2 cheveux, il y en a qui disent qu'il faut un chiour de grisse, qui correspond à une taille d'une petite lentille, plus ou moins un peu, plus ou moins, un petit rond. D'accord? On a fini de découvrir.
Et on a fini en fait de tout présenter. Donc à présent, on peut continuer la Mishnah. On va rentrer dans les détails sur chacun de ces interdits. Premièrement, Sarat Srita Atrat, là c'est un grand chidouche. On va d'abord le faire sous forme d'énigme. Je crois que c'est Rav Yitzhak Zilberstein qui a proposé cette énigme. Comment un homme peut faire une action et être hayav 6 millions de malkout? On apprenait jusqu'à maintenant que quand on transgresse un interdit de la Torah, on est hayav malkout, flagellation. Si je vais manger, quelqu'un va manger une viande interdite, il va manger du hazir, d'accord, du cochon. Alors quoi? Il va être hayav malkout echad, un seul malkout. Comment un homme peut faire une seule action, être hayav 6 millions de malkout en même temps? Réponse simple, on lui apprend qu'il y a eu la Shoah par exemple. Il y a eu là-bas 6 millions de juifs qui sont morts. Il dit quoi? 6 millions de juifs sont morts. Et il s'arrache. Il s'arrache des cheveux, ou bien il se fait une blessure, il se fait une égratignure, une seule égratignure. Le chidouche n'est qu'une égratignure que l'on fait pour chacun des morts, on est chayav malkout, même si on n'a fait qu'une seule action. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Sarat srita achat al chamisha metim. S'il s'est écorché une seule égratignure, donc, pour 5 morts en même temps, il a pris qu'une famille entière qui a disparu, il s'est fait une égratignure sur chacun, deux. Ou bien, Chamesh Sritot Almet Echad, il s'est fait 5 égratignures sur un seul mort. Eh bien, Chayav Alkol Achat Ve Achat, il est Chayav sur chacune d'entre elles. Soit chacune des égratignures, s'il a fait 5 égratignures pour un même mort, ou sur la même égratignure pour chacun des morts, il est Chayav dessus. D'accord? C'est déduit ça des psukim, comme on le verra dans le Bartenora. On n'a qu'à faire le Bartenora tout de suite, ça évitera de tout lire et de tout reprendre. Comme ça nous permettra d'aller plus vite, on a une Mishnah relativement longue aujourd'hui. On avait le Bartanora, Akorer Korcha, celui qui s'arrache les cheveux. Mishum de Mechayav Alkol Korcha. Le Bartanora, il a un problème technique. Pourquoi tu m'enseignes c'est l'avim? On a déjà dit, il y en a plein des laves dans la Torah, il y en a plein des interdits, des mitzvot négatives, ce qu'on appelle, dans la Torah. Pourquoi spécialement tu m'enseignes ceci? Le Bartanora nous explique parce qu'il y a un grand chidouche. Mishum de Mechayav Alkol Korcha, Vekorcha, Alkol Srita, Vesrita, Alkol Pea, Vepea. Il y a un grand chidouche dans ces halachot-là. Peut-être je l'ai introduit à l'oral. Supposons que. Toutes sortes d'interdits. Manger du chélev. J'ai pas le droit de manger un kazaït de chélev, de graisse interdite. Si je prends deux étimes en même temps, et que quelqu'un me dit, t'as pas le droit de manger chacun des étimes que je vais manger en même temps, ouais, de shiur zaït, le volume du noé, sur chacun d'eux, je suis chayav dessus. Et je prends les deux en même temps, et je les mange les deux en même temps, et je les avale les deux en même temps. Je suis chayav un seul malkout, parce que même si j'ai fait une action... Apparemment, vous pourrez dire que j'ai fait deux fois l'interdit. Mais non, ça s'appelle que j'ai fait un seul interdit grossi. Et bien là, pour tous ces interdits qu'on va apprendre dans notre Mishnah, on va apprendre que chacun d'entre eux, on est passible d'un malkout benifrad, indépendant. D'accord? Comme on va l'expliquer à l'intérieur de la Mishnah. Soit, akorar korcha, celui qui va s'arracher les cheveux, mishum de mechayav al kol korcha ve korcha, puis est-ce qu'on est chayav sur chacune des... chacun des... Korcha, ça pourrait être une plate-bande. Chaque endroit où on va avoir un nouveau trou dans les cheveux, on est chayav dessus. Vel kol srita vesrita. Et sur chaque égratignure, même si je le fais en même temps, avec mes quatre ongles en même temps, je vais me faire quatre égratignures en même temps. Je serai chayav sur chacun d'entre eux. Vel kol pa pa. Aussi, je suis chayav sur chacun des coins de la tête. Supposons qu'en même temps, dans une même action, je réussis à passer un rasoir large qui va tout me raser la tête d'un coup. Et ben, je serai chayav sur chacun d'entre eux. C'est pour ça que la Mishnah m'a enseigné spécifiquement ces quatre laves, quatre interdits. À la différence, Machenken, Beochel, Chelev et Chelev, ce n'est pas le cas de celui qui mange de la graisse interdite doublement. Il va manger deux étimes en même temps. Mishumachit, Ananou, Bematenin, c'est pour ça qu'on a besoin de t'enseigner ces laves dans la Mishnah. Avalchar, Lave, Greide, Shein, Ben, Chidouche, Notanam. Mais bien sûr, les autres laves qui n'ont aucun Chidouche, aucune nouveauté, aucune singularité, la Mishnah n'a plus besoin de l'enseigner, t'as qu'à lire dans la Torah, c'est explicite. Korcha, celui qui s'arrache les cheveux à la met, sur un mort, Kedirtiv, Lotasim, Korcha, Bedanechem, la met, vous ne vous raserez pas la tête entre vos yeux, c'est pour nous apprendre que c'est. Ça va rallonger, donc je préfère pas rentrer, mais c'est uniquement sur la tête, d'accord? Les met, pour un mort, Vafalgav, Degabe, Kohanim, Loktiv, Almet, précision. Dans la paracha de Emor, quand on parle de Kohanim, on n'a pas dit que c'était que sur un mort, malgré tout. Varamdo Mexera Shava, mi korcha korcha. On apprend de Xera Shava, korcha korcha, que même pour le Kohanim, l'interdit ne concerne que
les morts. Soit les cheveux au-dessus de la tête, pas sur les coins. Sur les coins, c'est interdit pour tout le monde. Sur la tête, c'est que pour si on s'arrache les cheveux pour un mort. D'accord ? Ma Israël, ma be Israël, à la mettre, aussi bien que pour Israël, c'est interdit que pour que de s'arracher les cheveux que en l'honneur d'un mort. L'interdit ne s'applique que sur lui, pas sur celui qui a une perte d'argent terrible. Par exemple, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Av be Kohanim, à le mettre. Même pour le Kohanim aussi, ce ne sera que s'il le fait pour l'honneur d'un mort. Veshur Korcha Kegris. La taille d'une Korcha, c'est Kegris. C'est une petite rondelle. C'est un peu inférieur à une pièce de 1 shekel israélienne. Bemet. C'est le même Shur que dans le Chot Nida. Amakif et Rosho. Celui qui s'arrondit les coins de la tête. Le Barthénois nous explique. Mashve Atzda'av Leachore Ozno Upadarto. Il égalise. Le derrière de ses oreilles, l'arrière de ses oreilles, ouais, là on a la police, avec son padachat, son front. Et il relie tout ça, c'est pour ça que ça s'appelle makif, il arrondit, comme ça le Barthénois explique. Vafilo al gilouar be misparim shen bo ashrata. On est chayav sur cet interdit, même si on se rase avec un misparim, avec des ciseaux, avec une tondeuse. Shen bo ashrata. Il n'y a pas en cela, on passe pas la lame sur la peau, ça ne s'appelle pas qu'on se détériore comme la barbe. Malgré tout, c'est interdit. Chayav al peat arosh, on est chayav sur le coin de la tête. Dedavka bezakan ktiv ashrata ve'ena ela betar. Car dans les psukim, comme on a vu, c'était que sur l'interdit qui concerne les coins de la barbe où la Torah a précisé zakan, tashrit. Vous ne vous détériorerez pas, c'est-à-dire vous ne vous arracherez pas avec le tar. Avec la lame, par contre, sur le coin de la tête, la Torah n'a pas précisé, il a juste dit ne pas arrondir, donc on est chayav tout le temps. Aval bepeat arosh akafaktif. Par contre, pour les coins de la tête, il y a marqué juste ne pas s'arrondir. Bechol inyan shehu makif chayav. Quelle que soit la manière dont il se rase, il sera chayav. Donc, on n'a pas le droit de se couper les cheveux à la barthèse, étant donné qu'on transgresse en cela, même si on le fait avec une tondeuse, on ne le fait pas à la lame. Soit celui qui fait avec la lame, ouais, j'ai déjà entendu quelqu'un qui se vantait de le faire de cette manière. Il se met de la crème à la mousse à raser sur toute la tête et sur le dos. Et il se passe la lame comme ça. Et bien, le coco, lui, il se transgresse 5 interdits. Il y a 7 interdits. 5 pour la barbe et 2 pour les coins de la tête. Maintenant, quelqu'un qui va dire, non, moi je suis religieux, j'utilise pas le rasoir à blanc, mais j'utilise la tondeuse. Il se fait comme ça à blanc toute la tête. Et bien, il transgresse quand même les 2 interdits des coins de la tête selon le roche. Comme ça, le Shulchan Aruch prend 10 de crainte de cet avis. Ok. Sa'at Srita Achat al Chamisha Metim. Ça, on a déjà fait la Mishnah. On fait aussi le Barthénois et après on avance. Sa'at Srita Achat al Chamisha Metim. Il s'est fait une écorchure, une blessure pour 5 morts en même temps. Une seule pour 5 morts. Ou encore 5 blessures pour un seul mort. Il est Chayav pour chacune d'entre elles. Dirtil Kol Basuk nous dit Veseret la Nefesh Lotit nous. Les chayev, alcool, srita, vesrita. Et seret, les nefesh. Une égratignure pour un mort. Donc, une égratignure pour un mort, ça fait un seul lave. Mais une égratignure pour 5 morts, ça fait 5 laves, 5 malkoutes. Et inversement, 5 égratignures pour un mort. On est chayev sur chacune d'entre elles. Alcool, nefesh, vesnefesh. Les chayev, alcool, srita, vesrita. Alcool, nefesh, vesnefesh. Pour rendre chayev sur chacune des égratignures, ou. Pour chacun des morts pour lequel on fait, va falloir que je le cache à la trachat, même s'il y avait un seul avertissement. Ouais, je lui dis, t'as pas le droit de te raser, t'as pas le droit de t'écorcher pour un mort. Et il s'est fait 5 en même temps, et le chayav sur chacun d'entre eux. Ve'ayu kol chamisha sotot bevatachat chayav. D'accord. Même si les 5 égratignures étaient en même temps, et le chayav sur chacun d'entre eux. On continue dans la Mishnah. À la roche, shtaim, achat mikan. Sur la tête, il y a 2 coins de la tête. Un de chaque côté, les tempes. Zdav en hébreu. Et par contre, Vala Zakan sur la barbe. Shtaim Mikan, il y en a 2 ici. Veshtaim Mikan, 2 de l'autre côté. Vahat Minemata et 1 en bas. Et comme on a dit, on ne sait pas où se trouvent ces points. On fait tout de suite le Barthénoura. Alors, Shtaim, Achat Aliyamin, Vahat Azmon, 1 sur la droite et 1 sur la gauche. Vala Zakan, Shtaimikan, Shtaimikan. Makom, alors il nous explique, c'est quoi la. Qu'est-ce qui est interdit précisément? Makom Chibur Asantar la Etsem. L'endroit où la mâchoire se rattache à l'os. Cette fois-ci, on est dans le coin bas. D'accord? Il y a ici. Je crois que je me suis un peu trompé tout à l'heure quand je vous ai parlé des tempes. Ouf, ouais, d'accord. C'est-à-dire, il y a l'interdit en haut pour les cheveux et l'interdit plus bas
Et donc le Bartora nous dit, Makom Khibura Santar Latsem, l'endroit où la mâchoire se rapporte, se raccroche à la, au crâne. Alors là, ouais, quand on touche là, ici, on sent qu'il y a ici un os, l'endroit du, où ça se relie, c'est ici ce coin. C'est là, là, voilà ici deux premiers coins, un ici, un d'un côté, un de l'autre. Bachat Bismolo, Vishibolet Azakan Baemza. Shibolet Azakan, c'est l'endroit où il y a le. Bien que c'est un seul os en fait, je crois, dans la mâchoire, dans l'anatomie. Malgré tout, c'est ici le bord, le milieu ici où il y a le dans le menton. Voilà, le sphincter, c'est le menton. Vishibolet Azakan Baemza. Are Shalosh, voilà, on a trois endroits. Vechibur Atzdaim, Mikan, Omikan, Are Chamesh. Là, je ne sais plus c'est quoi les Tzdaïm, étant donné que pour moi, les Tzdaïm, c'est justement ces coins-là. D'accord. Are Chamesh. Alors, il nous explique plus longuement le Bartanura. L'Echi Ha'Elyon, Mechubar la Tzdaïm, Velechi Ha'Tarton, Sheba Yamin, Velechi Ha'Elyon, Vatarton, Sheba Smol. En fait, on considère que la mâchoire, toute la mâchoire, lorsqu'elle est rattachée au crâne, on considère qu'il y a deux coins. Un en haut et un en bas. Donc, selon le Bartanura, ici, l'interdit, il touche. Ce point ici et le point ici, apparemment. Are Meashne Mikan, Meshne Mikan, Vesof Azakan, Shasar Yotse Mimenu Ke'en Shibolet. Et le dernier endroit où le. Et, bon, il nous reprécise de nouveau. Le Fikar Negren Shibolet Azakan, c'est pour ça que ça s'appelle Shibolet Azakan. Ici, ça sort comme un épi. Alors, apparemment, ça correspondra à ce moment-là, je n'ai pas tellement le rapport avec un épi. Mais en tout cas, comme ça, c'est écrit. Dans le Shulchan Aruch, il conclut, comme je vous ai dit. On ne sait pas exactement, il y en a qui pensent que ce serait plutôt ici, il y en a qui pensent que ce serait les coins de la moustache. Donc en fait, on passe nulle part le rasoir, tout simplement. Le rasoir, la lame de rasoir. Eno chayav la achat, on continue avec maintenant. Rabbi Eliezer Omer, im netalo kulo ke achat, eno chayav la achat. Selon Rabbi Eliezer, s'il a passé une lame très large, où il a tout rasé en même temps, je ne sais pas comment il a réussi à le faire, mais en tout cas, pour lui, il est chayav, eno chayav la achat. Il n'est passible que d'un seul interdit. On ne dira pas qu'il y a un interdit pour chacun des points, mais tout ça s'appelle que tu as transgressé, en même temps un gros interdit de passer le rasoir sur la barbe. Si tu le fais un après l'autre et qu'on t'avertit à chaque fois, on te dit hey, « tu n'as pas le droit de te raser », et il continue. « Tu n'as pas le droit de te raser », et il continue. « Tu n'as pas le droit de te raser », et il continue. Alors à chaque fois qu'on l'avertit, il sera khayav de nouveau. Mais si, avec un seul avertissement, il a tout passé d'un coup, il ne chayav qu'une seule fois selon Rabbi Eliezer. On avait appris que nous on ne chayav 5 fois, d'après Khamim, et la lacha établie comme Khamim. Et le chayav à la achat, il n'est passible que d'un seul interdit, de kevan de la vechadou, arou ke ochel shnez et techelef batra achat. Étant donné que c'est un seul interdit, la Torah a exprimé ça, l'otashkit peat zekanecha. Elle a exprimé ça d'une seule, en un seul interdit. Donc si tu les fais tous d'un coup, ça s'appelle que tu as transgressé une fois une grosse quantité d'interdits, mais c'est un seul interdit. Tout comme celui qui mangerait deux kazaïdes de chélev. On continue avec Veno chayav ad shitelenu betar. Et on est chayav sur la barbe que s'il le prend, que s'il arrache la barbe avec un tar, avec une lame. Apeat zakan kae, dirtiv be gilouach vashrata. On parle uniquement des coins de la barbe sur lesquels il y a marqué gilouach rasé. Patzkenam loi galechu. Ve ashrata. Et détérioré. Donc il faut apprendre Gilouach chez Yeribo Ashrata. Se raser de manière à ce que ça détériore. Soit on arrache la racine parce qu'on passe la lame au bord de la racine. Et Rabbi Eliezer, Omer a fait le licto bimlaket ou ba reitani, chayav. Selon Rabbi Eliezer, même s'il a arraché les poils avec un melaket, je ne sais pas si c'est une sorte de pince, ou ba reitani, c'est une sorte de ciseau, je suppose, alors malgré tout il est chayav. Le partenaire nous explique melaket. Mais la quête, c'est Kli à Suiken Malkachaim, c'est un ustensile qui se présente sous forme de pince, donc c'est une pince à épiler. Les laquettes est à serre avec lequel il arrache les poils. Donc, selon Rabbi Eliezer, cette fois-ci, on est chayav sur la barbe. Regardez, Rabbi Eliezer, il était Mekel d'un côté, mais il était Mahmir de l'autre côté. Sur la barbe, il te dit, moi, je te considère que tu as transgressé un seul interdit, pas cinq interdits, mais moi, je te rends chayav même si tu l'arraches à la pince à épiler. D'accord? Afilo lecto bemlaket ou bereitani. Et reitani, c'est ou ma'atsad bilchon mikra, kli, shebo machlik, charash, etzim, pnei alouach. Reitani, d'après tel que je comprends du Bartanura, c'est un ustensile avec lequel celui qui forme des pots, le potier, il lisse les bois avec lui. Je ne sais pas si c'est une sorte de papier de verre,
il ferait comme ça, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. C'est un ustensile chez Machlik Harash et Tsim Pnei Aluar. Ah, non, c'est plutôt une forme de, avec laquelle il ponce le bois. Bah, ouais, il y a un slay lame, alors j'ai pas vraiment compris. Même Chachami me rend khayaf sur ça, parce que c'est un s'il y a une lame. Peut-être parce que c'est pas l'usage, je ne sais pas exactement. En tout cas, quelle que soit la manière dont on se rase d'après Abelézer, on est khayab, et d'après Khamim, c'est uniquement avec le tahar, avec la lame directement. Ven al-Akha ki Abelézer, l'Alakha n'est pas établi comme Abelézer, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite que vous soyez plein de Hatzlacha. Attention, rendez-vous pour le prochain Shiur, ce sera jeudi de Chol HaMoed, jeudi 17 Nissan, donc une petite pause de 3 jours. On s'est dit que le matin du Biur Hametz, on sera tous fatigués, et si toutefois on. Le dimat il a baissé, donc il y aura sûrement beaucoup de chiour de retard. Yom Tov, il n'y a pas de chiour. Yom Tov, chez Nishal Galouyot aussi, on s'est dit que ce n'était pas la peine de faire un chiour. Rendez-vous donc jeudi, vendredi, et il y aura dimanche prochain. Et c'est tout. Donc, Kol Tov, Pesach Kasher, Sameach à tous.